Le problème avec Viking, c'est que c'est très redondant. Ouais, et la saison 5 est hachée. Ça, elle a aucun sens. Enfin, on voit des choses de la saison 5 qu'on n'avait jamais vues avant, mais qu'on n'avait pas envie de voir, en fait. Personne n'a envie de voir ça. Enfin, ça intéresse personne, mon ami. C'est ouf. Comment ils ont pu chier une série pareille? Je suis vraiment dégoûté de Viking. Moi, faut pas m'en parler, ça met les boules. Viking, ça met le cafard, mon ami. Ils avaient de l'or en main et ils en ont fait, je sais pas. Ils en ont fait de la terre. Normalement, c'est la terre qui devient de l'or. Bah là, c'est l'or qui est devenu de la terre. Piggy. Piggy, Piggy. Ouais, la saison 5, j'ai une putain de haine. Game of Thrones, j'ai jamais regardé. Tu vois, j'ai pas de culture. Game of Thrones, je connais pas. Casa de Papel, je connais pas. J'ai... Regarde, le truc tout con. J'ai jamais vu une vidéo de Squeezie, mon ami. Tristesse? J'ai aucune culture, frère. J'ai aucune culture, mon ami. Aucune. La seule vidéo de Squeezie que j'ai vue, c'est une vidéo qui était en non répertorié. Parce que il y avait un pote de Squeezie qui faisait des vidéos avec lui, c'était Hugo. Et il nous l'avait envoyé en non répertorié pour donner notre avis. Parce qu'on jouait beaucoup avec Hugo à une époque. Et c'est la seule vidéo que j'ai regardée. Et je me souviens même plus ce que c'était. Donc, j'ai jamais regardé une vidéo. Dragon Ball, je connais pas. One Piece, je connais pas. Et qu'est-ce que je connais pas d'autre? Tout, en fait. J'ai zéro culture. J'ai fait le con, ça l'a traumatisé. Elle a dit non. Elle a refusé, mon ami. Elle a voulu casser ce générateur. Des boules, boules, boules. Des boules, boules, boules. Elle s'accroupit pas. Le déconfinement, je m'en bats les couilles, moi, perso. Moi, confinement toute ma vie, ça me dérange pas du tout. Je suis un geek. Moi, ne pas bouger. Franchement, je dois être le seul sur Terre à penser ça, mais. Ne pas bouger, rien foutre, geeker, 100% j'aime. Ça me dérange pas le moins du monde. Ah merde, mais elle vient vraiment. Putain, c'était le claque que j'ai pris, mon ami, j'ai kiffé. Ouais, elle est pas arrivée. Pas arrivée avec cette map. Ce qu'ils ont fait ici, c'est encore mieux qu'avant. Je te jure, là, j'aurais pu reprendre la fenêtre et faire un infini, mais bon. J'ai pas trop envie d'utiliser l'infini. Tu t'es accroupi? Ah, voilà, bien. C'est l'accroupissement qui fait toute une vie, mon ami. Ouais, ça, c'est un mur. Fais gaffe, c'est puissant, les murs. C'est costaud, mon gars. C'est solide, les murs. Et ça fait pas de cadeau. Putain, joue avec la nourriture, 100%. 100%. Ouais, non, c'est une fenêtre, hein. Fais gaffe, c'est costaud, ça aussi. C'est de la pierre en fait, hein. C'est de la bonne pierre bien, bien fraîche, bien puissante, mon ami. Ici il y a une palette, je te la présente pas, par contre je la baisse direct parce que vu que tu as joué avec la nourriture, je vais pas profiter de ta force intérieure pour me niquer du bon moment. Par contre là je vais sauter, frère. Et si tu la casses pas la palette, on va la sauter 3 fois, d'accord? Je vais la sauter à 3 reprises avant que tu me donnes, t'es ok? 2 fois, et là je vais la sauter une 3e fois et ensuite tu pourras me donner. Uniquement après la troisième, le troisième saut, mon ami. Peut-être que j'en aurai un 4e, vu qu'apparemment t'es pas très solide sur tes appuis, donc j'ai la puissance de repasser la palette tranquillement. Donc on va refaire ça une 5e fois peut-être, mon ami. Parce qu'apparemment t'as pas conscience que ton soif 203 ça ne sert pas et ça ne te permet pas de me rattraper, mon ami. Mais c'est intéressant, c'est très intéressant ce que tu es en train de faire en fait. Tu prouves aux gens que ça fonctionne pas en fait. Tu leur prouves qu'on peut, voilà. Et tu as perdu ta soif de sang. Oh bah c'était intelligent, mon ami. Il faut la casser la palette, c'est une bonne idée de la casser, voilà, bien. C'était une très bonne idée, mon ami. Alors, je pense que là, tu vas pouvoir me down, parce que mon objectif, c'est d'atteindre la palette qui est là-bas. Mais avec ton soif de sang, et ben normalement, tu vas me niquer. Mais comme je vais faire un 3-6 et que je vais le rater, et ben je me suis fait niquer. Allez, mets-moi mon casque que j'ai bien mérité. Voilà, ça c'est bon. T'en as pas compris, hein. Cette palette, elle voulait pas la casser, gros. C'était sa sœur, en fait. C'était sa sœur, cette palette. C'était la sœur. La voix du clown, ça aurait été épique. Ouais, mais c'est pas le clown, mon ami. J'aurais dû profiter du spot double fenêtre pour jouer encore sur le spot double fenêtre, mais je pensais avoir le temps d'aller arriver à palette, mais non, j'ai pas eu le temps. Oh, il a grillé. Il a grillé la flashlight sévère. Il a grillé la flashlight. Tristesse pure. Par contre, du coup, personne fait les gênés. Et ça, c'est pas cool. Allez, ramasse boy. Bien ça, bien ça, bien ça. Le ramassage des familles. Génie. Génie boomer. Il va me lâcher, hein. Tiens, si elle a le temps. Elle a le temps. What the fuck. Mais what the fuck, mon ami, mais. Mais what the fuck.
On te casse un hook sous la gueule et elle a le temps. Facecamp, facecamp, facecamp. Facecamp les gars, venez pas. Faites les générateurs. Elle a accroupi facecamp. Mais comme personne n'était sur les générateurs, elle peut faire 2 kills, 3 kills. Hein. Pourtant on l'a fait galérer, hein. Vous avez vu le temps qu'on lui a mis, mais... Labyrinthe, je connais de nom, mais j'ai jamais vu. Salut Itachi Naga, comment tu vas? La forme? Ah, elle s'est relevée, mon ami. Elle a décidé d'aller casser un générateur. Merde. Ouais, il y avait Fugue, elle serait sortie, c'est sûr, mais bon. Ouais, le crochet en dessous de mon bras, c'est clair. Merci, bro. Gentil, ça. Si, Boomer, il me semble qu'il joue encore l'instyle. Techniquement, oui, je suis pas accroché. Je suis à côté du crochet, mais bon. Boucher sadique, tristesse. Si elle a l'avocat, je suis niqué, hein, tristesse. Moi non plus, le confinement me dérange absolument pas. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas spécialement cool, j'aurais dû m'éloigner. Bon, soigner, j'ai pas été très intelligent. Je me suis pas éloigné. Elle a déboussolé, donc elle prend toutes les fenêtres, mon ami. Les fenêtres, c'est sa putain de vie. Mais t'es trop conne. T'es trop bête. Et tu m'avais bloqué la fenêtre, pourquoi t'as demi-tourné? Une protection avisée, mon gars, ça serait pas de refus. Ah, voilà la protection avisée dont je parlais. Par contre, du coup, je vais galérer, j'ai pas fait mon casque. Aïe. Tristesse. 100 000 euros, je tombe. Ah merde. Ok, t'as des bosses au courant. T'es prête, je saute. Putain, mais. What the fuck? Tristité de dessin, c'est la P2 pour Sopalinos. Oh. Elle veut que moi, ouais. Qui est escorté Sopalinos par Boomer? Ouais, le bug des crochets, c'est n'importe quoi. Oh, y'a pas bourreau. Tristité de descendre. Nanana. Je suis foutu, dans la merde foutu. Ah ouais, c'est moi et Son Perdot, mon ami. Elle a décidé de décréter que ce serait la Miss Sopalinos. Ah non. Ah si. Un demi-tour et je suis niqué. Mes couilles! Mais what the fuck? Mais genre. N'importe quoi, mon ami. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ouais, j'aurais pu aller sur l'infinite. Elle pense que j'ai coudé, donc elle a peur. Est-ce qu'il va venir derrière moi, le copain? Et je peux pas détarde, hein. J'ai mon détarde débloqué, je sais pas pourquoi. J'ai pas détarde. C'est le casque. Le casque m'empêche de détarde. Elle a le casque qui empêche de détarde. Tristesse. Boum boum, il a pas un petit insta-heal là vite fait? Très sympathique ça. Parce que là, elle va me ramasser et easy 4 kills. Et easy 1 kill. Nanana. Ah, il veut casser le crochet Boomer en fait. Ah, mais s'il n'y a pas de body block, c'est mort. Le crochet est trop près. Ça va être dur là. Ah, il sacrifie pour moi les gars, mais. Il n'y a pas le temps là. Oh putain, Boomer le génie. Boomer le génie, la légende. Et Motaz aussi, hein, le Dead Hard était magique. Et l'insta-heal. Boomer il a insta-heal juste derrière. Putain, mais c'est des génies, mec. Bon, moi, faut que je fasse mes casques. Ça va pas être simple. Non, tout le monde sort et je prends la trappe. J'ai la trappe. Sortez tous. Je prends la trappe.
Attends, je tente un casque et après je dis go out. Mais je pense qu'ils peuvent pas forcément sortir. Non, 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 non. En fait, faudrait que Boomer il ouvre la porte ou Trizix et qu'il sorte pour donner à Motaz l'envie de sortir. Parce que là, j'arriverai pas à enlever mon casque. Non, c'est bon, j'ai réussi du premier coup. Mais du coup, elle a l'info que je suis là. Merde. Vu que j'ai reçu mon casque, elle a l'info. Donc si elle est pas conne, elle vient sur moi. Et donc, j'ai pas le temps de me soigner, donc je suis mort. C'est ça le délire. C'est ça le délire, mon ami. Oh, le bodyblock toxique, non, abuse pas, Timothée. Regarde la game et dis-moi si c'est toxique. Elle arrive. Dommage pour moi. Je savais qu'elle viendrait. Hein. J'aurais dû faire autrement. Mais non, ça c'est une fenêtre. Dommage, dommage. Oh, si tout le monde sort, j'ai la trappe. Elle est où déjà? C'est des génies, les gars. Là, ma team, mon gars, c'est une team en or. La team en or, mon ami. Mais what? Comme ils m'ont carry, mon ami. Putain, ils m'ont carry de ouf, quoi. Oh, cette team. Ouais, YouTube direct. Je vais appeler ça... Ma team me carry comme... Nice toxic. Ouais, where is toxicity? Where is toxicity, man? Where? Cette partie, mon ami. Ah là là. Raider LVTV, je sais pas quoi. Raider LVTV. Il a un Discord, tout ça, tout ça. Je me ferai un plaisir de regarder son stream en allant dormir. Tristesse pure. Je sais pas s'il était en stream, tu vas aller voir. Rank 1. Ouais, il a... Ouais, t'es rang 3, mec. Qu'est-ce que tu parles? T'es rang 3, mon ami. Matchmaking est good, là. Rang 1 contre rang 3, c'est pas normal. Ce mec est un génie. Putain, ma team, elle a vraiment géré, mais de ouf, mon ami. Ah, mais je crois que c'est un mec qui stream. Attends. Ouais, mais je comprends pas. Il n'y a pas de lien. Il a 4800 heures. 4800 heures, mon ami. C'est un mec, tu sais, il a un nom, mais c'est impossible de le trouver. Genre, tu tapes son nom, puis il n'y a personne qui sort. C'est trop chelou. Il était en live. Oh non. Non, il y a un mec qui s'appelle comme lui, mais non, il était pas en live. Dommage, on pourrait pas le regarder. Bah après, son machin est trop mal fait, donc... Attends, j'ai une idée. Qu'est-ce qu'ils disent là dans le chat? Rank 1. GG. Bon, voilà. Continuez.